Mesdames, messieurs, bonsoir. Le temps, c'est l'argent. J'ai donc demandé à notre auteur maison de nous écrire un texte court. Le théâtre doit se mettre au goût du jour. Bref, soyons brefs. Alors, sans attendre, action! Marc, Marc! Désolé, il n'en fut pas Marc. Quel voilà. Que faites-vous ici? Qu'avez-vous fait de Marc? Où est la mallette? Quelle heure est-il exactement? Pourquoi l'avion est-il de retard? Qui a placé le micro sur ma table de chevet? Qui a remplacé la drogue par des... Wow! Qui fait oh oh derrière mon dos? Trop long! Il est devenu fou l'auteur ou quoi? Je l'avais dit court! Comment voulez-vous que je réponde à la ribambelle des questions? C'est vrai! Vous pouvez abandonner votre accent, mon vieux! On ne joue plus là! On va choisir qu'une seule question. Une seule? Une seule, on va faire court. Allez, action! Marc, Marc! Désolé, je ne suis pas Marc. Qui est le traître? Je ne sais rien, moi, pour une question. Quelle heure est-il exactement? On piétine! Vous aurez dû choisir la question la plus logique! Qui êtes-vous alors? J'ai une réponse. Excellent, allons-y alors! Marc, Marc! Désolé, je ne suis pas Marc! Qui êtes-vous alors? Vous allez un peu vite en besogne. Sachez d'abord que vous avez devant vous une cote 345, madame, chargée de fierté. Que vous êtes ça, que vous défendez. Il y a maman. Votre dessert, mes pommes de verre. Que vous dessert. Il y a mon bras. Recouverte, comme vous pouvez le constater, d'une délicate chemise de foie des colons. Bref. Que vous parlez au seigneur. Au seigneur. Prends dites-moi que je rêve. Non, vous n'avez pas. Votre accent. On ne joue plus. Ça a coupé. Toi, parlez normal. Jusqu'à la coupure publicitaire. Mais pourquoi on fait pas la pub maintenant? Non, non. La pub doit intervenir à un moment clé où le suspense est à son comble. Par exemple, au moment où j'ai le poignard d'écriture sur moi. Eh ben, excellent. Coup de poignard, coup de feu, enfin du texte court et précis. Alors allons-y et que ça saute. Action. Marc. Un seul Marc, on gagnera du temps. Supprimez désolé, vous n'avez qu'à le faire sentir, vous êtes désolé. Et je ne suis pas, c'est très bien que vous n'êtes pas Marc, sinon il n'y aurait pas de pièce. Allez à l'essentiel, et l'essentiel c'est le coup de feu. Allez. Marc? Pas Marc, quand? Qui êtes-vous alors? Mais supprimez le ricanement. Oui, excellent, le ricanement. Peut-être, mais il nous fait perdre du temps. À la question qui êtes-vous alors, prenez l'air étonné, vous gagnerez du temps. Et vous, avec tous les prénoms à rallonge, prenez le premier qui vous vient à l'esprit, hop. On file à la pub, allez! Marc? Non, Alonso! Ah, aïe! Enfin du texte court et précis! Aïe, vous m'avez touché, ne vous ne l'emporterez pas au paradis! Ah, décidément, il est américainement! Adieu ce petit Colombo! Mais quoi encore, bon Dieu? Ça fait 20 ans que je joue des pièces stupides avec des coups de feu stupides et ça fait 20 ans que ça s'envoie toujours au moment le plus délicat! Ah, tout va bien, il n'est pas chargé. Oh, c'est normal alors. Comment ça, normal? Vous trouvez ça normal qu'un coup de feu ne parte pas au moment voulu? Oui, mais ça va, vous. Bon, coup de feu, si l'arme n'est pas chargée, c'est logique, non? C'est peut-être logique, mais ce n'est pas normal. Calmez-vous, je vais chercher des armes. Non, on reprend. Et comment je fais pour un bon coup de feu? Bah, je sais pas, moi, c'est votre métier, non? Allez. Marc?
maintenant. Allons-en. Qui êtes-vous alors? Yes. Et là, prenez tout votre temps. C'est le moment le plus important du spectacle. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, les lumières de votre soirée, c'est la générale d'électricité. La générale d'électricité, c'est le savoir-faire d'une grande entreprise, la souplesse d'un grand groupe. Chez vous aussi, consommez la générale d'électricité. Pour une énergie fiable et bon marché, à la maison comme au théâtre. Je fais appel à la générale d'électricité. On est tombé bien bas. À toi. Le texte n'est peut-être pas fameux, mais au moins celui-là, il rapporte. Bah, merci pour nous voir. Vraiment, c'est super. Pas de mauvaise foi. Elle est où, tiens? Voilà. Il est des spectateurs qui se laissent aller mollement dans la douceur de leur fauteuil. Mais vous, madame, mais vous, monsieur, vous n'êtes pas de cela, et vous n'osez pas le dire. Vous souffrez d'hémorroïdes. Avez-vous pensé à la pomade à Pierretus? Avec la pomade à Pierretus, vous jouirez du spectacle sans arrière-pensée. À Pierretus, le confort du spectateur moderne. Attention, à Pierretus, c'est un médicament. Consultez votre pharmacien habituel. Quelle catastrophe! Une catastrophe qui va me permettre d'honorer votre contrat! Et puis jusqu'à présent, c'est le meilleur passage de la soirée. D'ailleurs, maintenant qu'a pu me passer, je pense qu'on peut couper, c'est fini! Bon, eh bien, bonsoir, et bien maintenant. Attends, j'ai une révélation à faire au public. C'est lui qui a apprécié la drogue en bas de la lessive à bon marché. C'est le Seigneur! Zapato de un plan sinistre de la... Mais c'est trop long!